Bonjour à tous et bienvenue au ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va redécouvrir le NNXT et voir tout ce qu'on peut faire avec ce sampler avancé de Reason parce qu'il est relativement puissant, même si certains disent qu'il est un peu vieillot parce qu'il date de l'époque de Reason 2.5, c'est là où il a fait son apparition. Mais bref, donc là j'ai chargé un premier patch. Pour vous montrer un peu les capacités du sampler en matière de sampling. Donc c'est un patch de piano qui vient de la banque Abbey Road de chez Propellerhead. Hop, je vais me mettre sur la bonne piste. Voilà, qui est fait. Donc en fait, j'ai chargé ce sample-là pour vous montrer que on a du multi-échantillonnage dans le sens où sur toute la longueur du clavier, on va avoir différents samples qui vont être affectés aux notes. Mais en plus, on va avoir aussi du layering qui va fonctionner suivant la vélocité. Alors, je vais mettre... Voilà, par exemple... Donc en fait, quand on sample, on peut vraiment faire des choses relativement complexes avec ce sampler. Donc maintenant, je vais supprimer ce patch-là. Hop. Voilà. Et je vais revenir sur un sampler complètement vierge. Donc au départ, on va déjà faire un tour du propriétaire du premier panneau lorsqu'on charge l'instrument. Donc on a la molette de pitch bend ici directement. Ensuite on a la molette de moodwell. Après on a en sachant que sur la molette de moodwell ici on a un petit W, on va voir par la suite à quoi ça sert. Ensuite on a un external control avec le petit X en haut ici. Donc c'est une molette qu'on peut aussi affecter à un rotatif ou un fader sur une surface de contrôle, qui est par défaut sur l'aftertouch. Après, on a le switch high quality. Donc quand on se met, quand on active ce switch, la qualité sonore est meilleure, mais ça mange aussi plus de ressources processeur. Et enfin, après, on a les global control, donc qui vont intervenir sur tous les samples à l'intérieur du sampler, et on va pouvoir jouer sur la fréquence et la résonance au niveau du filtre, au niveau de l'enveloppe, de l'amplification de l'enveloppe, on va jouer sur l'attaque, le decay, le release, et enfin sur la modulation d'enveloppe, on a le decay, et pour finir, on a le master. Ici, c'est marqué NNXT numéro 1. Si on double-clique dessus, on peut changer le nom du sampler lorsque vous créez un instrument. Là, on a la petite icône qui va nous permettre de parcourir les patchs, que ce soit au niveau du disque dur, comme dans les Factory Sound Bank ou les différentes refils, enfin banques de sons, appelées refils que vous allez avoir sur le disque dur, et la possibilité de sauvegarder les patchs que vous allez créer. Juste ici, on a une petite flèche. Quand on clique sur cette flèche, on va avoir accès au moteur du sampler. C'est-à-dire qu'en fait, on a une grande fenêtre ici où on va intégrer nos samples. Et pour chacun des samples qu'on va intégrer, on va avoir tous les paramètres de contrôle qui vont nous être accessibles. Donc, en exemple, je vais aller charger un petit sample. Donc là, c'est un sample de 808. Je le charge. Et donc, par défaut, ça me met le sample sur l'intégralité du clavier. Comme vous avez pu voir, donc si je le retire, hop, on n'a aucune des informations qui est en rouge. Si je le charge, hop,
Voilà, tout de suite, on a accès visuellement à tous les paramètres qu'on va pouvoir utiliser pour contrôler ce son. Donc, on a une partie modulation qui va agir comme une matrice de modulation avec chacun des paramètres. Donc, par exemple, là, on a fréquence qui est affectée donc, en vert sur le W. Donc, le W, quand on regarde, c'est tout simplement la molette de Pitchwell qui est ici. Donc, pour que ça rentre en fonction, il vous suffit d'ouvrir soit de façon positive, soit de façon négative, l'envoi du filtre sur la molette. Donc ça va fonctionner comme ça. Donc là, on a fréquence, mood deck, et ainsi de suite. Donc après, il suffit de lire hein, et vous affecter sur le paramètre de votre choix. Juste en dessous, on va avoir la vélocité, donc les différents paramètres de vélocité. Après, on a le LFO 1, le LFO 2, les paramètres de modulation d'enveloppe, paramètres de pitch, les paramètres de filtre avec le choix des différents filtres. Donc on a sans filtre, high pass 12, band pass 12, low pass 6, low pass 12 et low pass 24. Et enfin, on a la partie enveloppe. Donc amplification enveloppe avec la DSR et le volume, le panel et un spread ici qui peut nous permettre de jouer sur le panning en fonction soit de la note jouée. Enfin, on va découvrir tout ça par la suite. Donc là, j'ai chargé mon premier sample. Comme vous pouvez voir, c'est tout simplement un sample de basse 808. Alors, on peut soit le garder tel quel, ou soit jouer, par exemple, sur le filtre. Donc, je vais jouer, entre guillemets, sur le cutoff. Donc, après, il faut sélectionner un type de filtre. Là, j'ai ma résonance. Là, c'est pour, entre guillemets, une utilisation simple. Après, ici, si je veux apporter un peu de modulation, je peux très bien jouer au niveau du LFO. Alors, le LFO, je vais pouvoir l'affecter soit au pitch, au filtre ou au volume. Exemple, si j'ouvre le volume, là, on entend. Alors, je vais me mettre, par exemple, en mode... synchronisation au tempo, donc par défaut je vais être avec un LFO de 1 quart. Hop, si je reviens, là je vais affecter le filtre, donc le LFO va affecter le filtre. Et bien sûr, on va pouvoir choisir différentes formes d'ondes pour le LFO, ce qui va créer différents types de modulation. Hop. Donc après, c'est à vous de choisir en fonction du type de son que vous voulez créer. Le decay ici, ça va nous permettre de mettre un petit laps de temps entre le moment où on va appuyer sur la touche et le moment où le LFO va se déclencher. Alors là, comme vous pouvez voir, hop, je vais réinitialiser ça, je recharge mon sample. Donc là, je suis revenu à l'initial. Pareil, en ce qui concerne l'édition de ce sample, il vous suffit de cliquer dessus et vous allez pouvoir accéder ici à éditer le sample. Ça va vous ouvrir une fenêtre
où on va voir la forme d'onde en question. Alors là, comme on peut entendre, mon son commence en lecture dès que j'appuie sur la note et s'arrête. Je peux faire une sorte de bouclage, c'est-à-dire que maintenant je vais me retrouver avec deux locators. Et en fait, entre ces deux locators, je vais appuyer sur ma touche, le son va partir. Et une fois qu'on va atteindre ce point-ci, la boucle va se mettre en marche. Et ce qui fait que tant que je vais rester appuyé sur la boucle, tant que je vais rester appuyé sur la touche, la boucle va continuer de se lire. Alors, je vais changer un peu. Là, je n'ai pas sauvegardé. Hop. Donc, je me remets en éditeur, éditer le sample. Je me mets en boucle. Je fais enregistrer pour que la modification par rapport à la boucle elle soit active. Là, comme vous pouvez voir, on peut créer des instruments vraiment très simples, juste à partir, vraiment très puissants, juste à partir d'une forme d'onde toute simple. Donc là, je vais continuer. Je repars sur mon LFO et admettons que je veuille agir sur mon filtre. Comme je vous le disais tout à l'heure, si on agit un peu sur le decay, sur le délai ici, vous voyez, ça augmente le temps de lecture du sample et à partir d'un certain, donc à partir de 2 secondes 10, la modulation du LFO va agir sur le sample. Donc je peux réduire ce temps. Donc là je suis en free, si je me mets en synchronisation tempo, il va se synchroniser avec le tempo du séquenceur. Alors, je peux augmenter la vitesse grâce au rate. Donc là, j'agis sur le filtre, mais je peux aussi agir directement sur le volume. Et ça me fait un effet de pompage. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le LFO 1. Donc, possibilité de choisir les différentes formes d'ondes, ce qui va vous créer différentes façons de moduler. La vitesse, qu'on peut soit mettre en free run, soit le synchroniser au tempo. Là, ça va être pour ajouter un délai entre le moment où on appuie sur la touche et le déclenchement du LFO. Ensuite, on peut... grâce à ce LFO, moduler le pitch, le filtre ou le volume. Juste à côté, on a le LFO 2. Donc là, pareil, admettons, si je veux jouer sur le panning, j'ai juste à ouvrir. Et là, on entend que ça joue sur le droite-gauche. Voilà. Si je veux jouer un peu plus sur le pitch... Donc après, on a aussi les paramètres d'enveloppe pour pouvoir trafiquer le son un peu plus. Régler la vitesse du LFO 2.
Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est relativement puissant et complet. Alors ici, si par exemple, j'en sais rien, la fréquence, je veux l'affecter au Moodwell, il me suffit d'ouvrir la mount en ce qui concerne le premier potard de modulation, le mettre ici sur le W, donc qui correspond au W qu'on a ici, ou alors le X qu'on a ici, c'est le X qui est là. D'accord? Une fois que c'est fait, voilà. Après, pareil, donc là, vu qu'on fait une 808, on peut jouer aussi sur la polyphonie. La polyphonie, ça va être le nombre de notes qui peuvent être jouées en même temps. Donc là, vu que généralement les 808 ont fait des glides et compagnie, je peux très bien me mettre à une polyphonie de 1, legato, et aussi jouer sur le portamento. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment complet. Une autre utilisation, donc là j'avais mis un sample de 808 tout simple, rien ne m'empêche de prendre un kit de batterie. Donc par exemple, ce que je vais faire, je vais aller chercher, là, ça c'est du champ, je vais prendre un clap, je le charge, ensuite je vais aller chercher un hi-hat, je le charge. Excusez-moi. Alors, je prends mon clap. Donc là, j'ai le hi-hat. J'ai mon clap. Ensuite, percu. Voilà. Je vais remettre... Je vais prendre... Donc là, il faut se désélectionner à chaque fois, sinon ça remplace le sample qui est sélectionné. Et voilà. Donc là, j'ai chargé 1, 2, 3, 4, 5 samples. Et comme vous voyez, tout a été réparti sur l'intégralité du clavier. Donc si je joue une note, j'ai tous les samples qui se jouent en même temps. Donc pour régler ça, vous sélectionnez l'intégralité des samples. Vous cliquez droit sur la souris et vous allez avoir affecté automatiquement les samples à une zone chromatique. Voilà. Donc ce qui fait que maintenant, en partant de la touche C1, je vais avoir... Alors, pour mieux contrôler ce que vous faites, hop, si j'appuie sur mon premier sample, vous sélectionnez Select Zone via MIDI et ça vous indique quel sample est en train d'être joué. Pareil, lorsque vous avez votre échantillon, si vous cliquez droit et que vous faites Éditer Sample, vous allez avoir votre fenêtre d'édition qui va vous permettre, voilà, de faire fondu d'entrée, fondu de sortie, inversé, normalisé. Donc là, si le sample est enregistré bas, ça va vous gonfler le son. Choisir un mode de boucle, un mode de boucle. Fondu enchaîné, enfin bref, après, vous pouvez renommer votre sample et changer la fondamentale de la note. Vous faites vos modifications, vous enregistrez. En fait, tous les paramètres que vous allez avoir accès, voilà, éditer sample, tous ces paramètres-là, ce sont
des paramètres que vous allez pouvoir retrouver directement ici. Donc, le début du sample, la fin du sample, le tuning, la root note, le mode de loop, etc. Donc, c'est plus facile de le faire visuellement. Donc, comme je l'ai dit, vous sélectionnez vos samples une fois que vous les avez importés et vous faites, hop, affecter, ici, affecter automatiquement à des zones chromatiques. Donc, ça va vous répartir tous vos samples sur différentes touches. Donc, ce qui peut être très bien pour se créer un kit de batterie ou, peu importe, accumuler plusieurs samples et les mettre sur différentes notes, différentes touches de clavier, je dirais. Après, une autre petite astuce que je vais vous montrer. Alors, c'est vraiment très simple pour pouvoir se créer. Alors, je vais aller... Je suis dans Lofi. Il faudrait que je trouve un sample. Lofi Break, Forax Loop. Admettons, on va le faire avec ce sample-là. Je prends le sample, je l'importe directement dans mon séquenceur. Hop, je referme ici. Donc là, ça m'a créé une boucle. Donc si je me mets en solo et en lecture, donc, admettons si j'ai envie de bénéficier des différentes options de ce sample, mais en même temps j'ai envie de slicer mon sample, c'est-à-dire de le découper en plusieurs échantillons. Donc, soit je me mets directement en mode slice, donc là je vais avoir différentes petites couches, le sample va être découpé, ou sinon je recrée de moi-même différentes coupes. Comme j'en ai envie, donc là je sélectionne tout, j'enlève, je prends mon crayon et par exemple, donc là j'ai un premier slice ici, je vais en créer un deuxième, hop là, CTRL Z, j'enlève la grille, j'en crée un deuxième ici, 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 hop, ici, là, là. Z, hop, je vais mettre un peu mieux. Donc voilà, j'ai fait la découpe de mon sample et en fait, ce que je veux, c'est que chacune des découpes soit affectée à une touche de mon clavier, mais dans le NNXT. Donc là, ce que je vais faire, je clique droit sur ma forme d'onde, hein, toute simple, je vais dans Bounce et je fais Bounce le clip en boucle Rex. Hop, donc ça m'a créé un sample ici. Je charge un NNXT. Voilà. Hop, je retourne dans les samples du morceau. Donc là, c'est ici, sample du morceau, sample non affecté, on a bien.
Donc une fois que c'est fait, mon sample, je peux le retirer de là, de ma piste audio. Je me remets sur le nouveau NNXT que j'ai fait. Je vais me mettre en solo. Hop. Et je charge le sample directement à l'intérieur de mon clavier. Et donc là maintenant, je vais faire select zone via MIDI, comme ça on voit mieux. Alors après, c'est pareil, si vous voulez aller un peu plus loin, admettons ce sample là, je veux qu'il soit lu à l'envers, je vais dans éditer sample. Donc là, on a notre sample. Je peux très bien replacer mon locator un peu mieux. Et si je veux le faire lire en reverse, je fais inverser. Hop, je fais avancer un peu que ça démarre bien. Enregistrer. Et donc là, là j'avais préparé un petit rythmique. Hop. Si je le mets en lecture, je vais enlever le solo de ma piste. Je vais reprendre par exemple ce sample là. Alors les options de reverse, tout ça, on va les avoir ici dans play mode. Si ici je vais et que je me mets, donc là c'est relu à l'envers. Après il y a le mode boucle, il y a tout ça. Donc en fait les options qu'on a ici, comme je vous l'ai dit, hop, éditer sample, ce sont ces options là. Donc là c'est le mode boucle, je peux créer une boucle ici par exemple, je fais enregistrer. Et tant que je reste appuyé, bah, ça va jouer avant-arrière en mode boucle. Bref. Donc ensuite, vous allez pouvoir, comme pour le son de synthé, soit vous activez, vous sélectionnez l'intégralité des samples pour faire les modifications sur tous les samples. Donc par exemple, si je veux jouer, hop, CTRL A, je vais rajouter de la résonance. Je vais peut-être aller un petit peu loin au niveau. Je veux que mon filtre sur toutes mes notes, hop. Donc pensez bien à tout sélectionner pour faire agir l'effet du filtre et du LFO sur l'intégralité des notes. Je me mets au tempo.
Après, ici, donc, comme je vous disais tout à l'heure, le spread, admettons, si je le mets à fond et que je vais sur jump, bah, ça va jouer sur les panels. Par contre, sélectionner, je le mets en entier, panel. Voilà. Donc voilà pour ce premier petit tuto. Comme vous voyez, on peut faire des choses relativement complexes en partant d'un échantillon que vous allez tout simplement importer directement dans votre sampler ou en prenant un échantillon que vous allez retravailler ou découper directement dans le séquenceur pour ensuite le transformer en REX comme j'ai fait ici. Et pour pouvoir jouer après sur chaque slice. Et petite chose avant de terminer, hein, quand on est au dos du rack, on va avoir des sorties séparées ici. Donc on en a 16 qu'on va pouvoir affecter pour chaque sample. Vous allez prendre par exemple le premier sample et vous pourrez l'affecter ici à la sortie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 15, 16. Comme ça, vous pouvez avoir vos éléments en sortie séparée, que ce soit par rapport à des samples ou sur une batterie. Ça peut être relativement utile de pouvoir avoir tous vos éléments en sortie séparée. Donc, on peut vraiment faire des choses relativement pointues, que ce soit par rapport à la synthèse comme à l'édition des samples. Voilà pour ce qui est du NNXT. Donc c'est un module avec lequel on peut faire pas mal de choses. Ta, 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 ta. Voilà. Donc là je vais charger un morceau. Si je ne me suis pas trompé, normalement il n'y a que des NNXT à l'intérieur. Donc là il se charge. Et vous allez voir qu'on peut aller très loin. Non, je me suis gouré de morceaux. Ah oui, NNXT Resonne. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire des choses relativement complexes en prenant un minimum de ressources processeurs. Puisque là, plus vous allez mettre de samples, plus ça va jouer au niveau de la RAM et du disque dur. Ça, je vais le fermer. Donc, quand on regarde le rack en lui-même, ce que j'ai fait, c'est tout simple. Hop, je vais fermer le navigateur. Je vais fermer ça. Voilà. Donc, quand on prend au départ, j'ai différents NNXT pour les drums, NNXT pour la basse, NNXT ici pour les violons. Ensuite, quand on va de l'autre côté, j'ai encore différents types de NNXT. J'ai utilisé que ça comme source de, comme source audio. Et ce qui fait que quand on écoute, c'est juste un sample tout simple. Hein. Donc il a été affecté sur l'intégralité du clavier. Et j'ai retravaillé le sample un peu à l'ancienne. Thank you.
basse, c'est un sample de 808 que j'ai mis directement dans un NXT. Procédant comme ça, ça permet de créer un morceau relativement complexe, tout en gardant de la ressource processeur pour pouvoir mettre différents types d'effets. Quand vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant, c'est un excellent moyen de pouvoir charger un max d'instruments et faire pas mal de choses de façon relativement intéressante et ensuite de pouvoir garder la ressource processeur pour les effets. Donc j'espère que ce petit tuto sur le NNXT vous aura plu. Je vais repasser dessus puisqu'il y a pas mal de choses à faire. Là, les prochains tutos, ça va être que des petites combines et l'exploration des modules de Reason d'origine qui vont nous permettre de créer des sons et d'utiliser au maximum Reason pour toute sa puissance. Donc si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut !